J'me défile sur la rambla. J'fais comme bon me semble. J'crois que j'ai le cœur qui tremble de janvier à décembre. Donc fais comme bon te semble. Au fond. Oui, bonjour, j'aurais une petite question. Parce que je suis déjà venu chez vous et j'ai vu qu'il y avait un videur devant l'entrée de la boîte et du restaurant. Et en fait, je me demandais si jamais un jour le videur était confronté à un client violent et il perdait la bagarre, est-ce que le videur était licencié ou pas ? Non. Merci beaucoup. Allez. Bonne soirée, monsieur, au revoir. Merci, Bichou. C'est un poil tard, mais merci beaucoup quand même. Alors ? Voilà, mais... c'est trop. Oui, tuez-le ! Nice ! Oh ! Bien joué ! On va la gagner. Oh, oh non. Non, oh, non, non. Non, Loli. Frère, tu voulais que je fasse quoi, frérot? Tu grabes. Oh là là. Non mais Loli. C'est trop, El Grabo, il était incroyable. Qu'est-ce qui t'arrive, là, Loli? C'est le crado, là, qu'on a. Je te jure. Loli, qu'est-ce qui se passe? Oh, venez ici, ils vont faire mon blue. T'étais pas comme ça avant, Loli? Là. Bah, ouais, ça se... Oh. Non, t'inquiète. Loli, réponds-moi. Il est plus là. Réponds-moi, s'il te plaît, Loli. S'il te plaît, frère. Nice, bien joué. Y'a Trundle. Loli, pitié, réponds-moi. Il est plus là. Trundle. Je sais pas, les gars. Je ne sais pas, mais je me fais baiser H24. J'ai beau faire ce que je veux, les gars, je me fais baiser. Là, j'arrive 3-1, je sors un pic. Je sais même pas d'où je le sors, mais j'arrive à faire 3-1. Il y a une pute, elle est FK, elle fait de la merde, elle nique tout. Wesh, je vis dans quel monde, en fait? Je sais pas, je crois que... Comment il s'appelle le PDG de Riot Games, ce fils de pute? Voilà, j'ai baisé la sœur à Nicolo Laurent. Je crois que j'ai baisé la sœur à Nicolo Laurent. C'est pas possible autrement, les gars. J'ai baisé la sœur à Nicolo Laurent. C'est pas possible autrement. En fait, je ne vois pas d'autre solution, les gars. Je n'en vois pas d'autre. C'est pas possible. Je peux pas avoir aussi peu de chat. Non, les gars, c'est juste impossible. Non. J'ai joué une game de League of Legends. Ok, j'ai une cuillère. Bon, elle est un peu grosse, mais parce que chez moi, en fait, on mange un peu avec des grosses cuillères. On va faire attention un peu. On est un peu gourmand, mais bon, regardez, le but, c'est que vous compreniez. On va essayer de le faire. Bon, c'est vrai qu'elle est un peu grosse. C'est un peu... Bon, écoutez, on va quand même expliquer et vous allez comprendre. Bon, les refs, c'est la merde. Depuis qu'on a tourné le clip dans les boîtes, là, on est enfermé ici. Je sais pas quoi faire, je crois que toutes les boîtes, elles sont cachées dans toute la France. Regarde, c'est leur bien que les indices sont cachés dans le clip, en fait. Leur bien l'observer, si vous voulez nous aider et sortir de cette situation. Les gars, on compte sur vous, je vous fais confiance. Mais bon, je me fais pas de soucis. On est 4 millions, maintenant. Mais c'est un menteur! Inox Tag, t'es un menteur. J'ai vu une story, t'es au McDo. Espèce de menteur, t'es pas du tout pris en otage. Pourquoi tu nous mens, hein? Je t'ai vu, t'as pris un Big Tasty avec un grand coca. Non, ça, les vidéos, elles sont... La vidéo, elle est exceptionnelle, frère. Et le truc le plus fou, je vais vous dire, c'est quoi qui m'a le plus impressionné dans cette vidéo? C'est qu'il a fait un placement pour Rhinoshield avec le téléphone. Et en fait, il a utilisé la blague de Léa tout à l'heure quand il a envoyé un message avec Siri. Et du coup, le placement, il l'a fait passer avec humour, tu vois. Et ça, dans notre métier, c'est hyper difficile. Nous, quand on fait des placements de produits, on n'a pas envie de vous imposer un truc que vous avez pas spécialement envie de voir, tu vois. On n'a pas envie que vous vous dites, ouais, ce mec, c'est un vendu, ouais, cela. Et lui... Il a fait son placement avec une touche d'humour et j'ai trouvé ça trop fort. T'as all-in dans l'équipe de Elias, quoi. Ok, au moins il a plus d'ignite. Ça, c'est du grid. Oh là là, mais non, mais c'est excellent, hein. Ça, c'est excellent, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Oh là là. C'est n'importe quoi, Riven. Mais Riven, c'est broken. Je veux mes 5000 balles. Là, à partir du niveau 6, c'était sûr, en fait. Au niveau 6, je le baisse, que je disais, frère. Mais avant niveau 6, je peux rien faire. Niveau 6, mais ouais. Bien joué, Elias. Bien joué. Mais déjà, pour moi, t'as pris Ghost, tu partais perdant. Ouais. En fait, en gros, gars, je pensais que t'allais jouer plus défensif et que du coup, il allait falloir que je te cours après. En fait, j'avais pas capté à quel point Riven. Comment tu fais pour pas avoir d'icône? Je voulais vous faire passer un message. Je voulais vous dire, là, c'est que la victoire, que la victoire. Si c'est pour des gens mentalement, ils font moins, nanani, nanana, le jeu c'est dur, si ça, c'est pas fait pour vous, cassez-vous. Vas-y, c'est tout, frère. Qu'est-ce qu'il raconte, votre pote, là? Au pire, je relance demain. De toute façon, hier, je vous ai fait un putain de gros live, hier, en vrai. Non, je joue pas à LoL. J'ai désinstallé, ça y est. Voilà, je joue plus à LoL. Voilà, je joue plus à LoL. Voilà que je joue plus à ce fils de pute de jeu. Comme ça, on est vraiment clair, je joue plus à ce jeu de fou. Ah ouais, frère. Je suis désolé, j'ai pas plus grand comme bol parce que c'est ce qu'on a le plus de plus petit. Ah, c'est pour les serrer. Ma mère, elle chie ça pour les serrer.
On a pas plus petit là. Pour les céréales, on a ça. Par contre, je me suis déjà fait DM par Astrid Nelsia à l'époque. Mais bon, elle était pas venue me draguer. Hein. En gros, elle avait une pépé où elle était avec son petit ref, je crois. Et sur ma pépé, je lui ressemblais à son petit ref. Et du coup, elle m'a DM, elle m'a juste dit tu ressembles à mon petit ref. Et du coup, moi, ça m'a fait rire. Et du coup, j'ai fait des tweets où je faisais croire que c'était moi sur la pépé d'Astrid Nelsia, tu vois. En mode, regardez, je suis avec elle, je suis chez elle, etc., etc., etc. Elle m'a bloqué. Donc, non, c'était vraiment pas de la drague. Vraiment pas, y a rien eu. Elle m'a juste bloqué, cousin. J'ai le frère. J'ai le. Voilà. Et t'as pas envie que j'urine sur ton lit, frère. Quoi? Non, t'as quoi? Nata, sa pire défense. Parce qu'en gros, avec le lit, on s'est dit, vas-y, si on a une prochaine maison, tu vois, et qu'il y a un de nous qui tombe à côté de chez Natos, tu vois, dans une chambre à côté de chez Natos, ouais. À chaque fois, on va toquer à son mur, on va faire, ouais, nique ta mère. Tu vois, parce qu'on avait l'habitude de. Faire avec moi, s'ils font ça, je leur pisse dans leur lit. Ouais, mais lui, ça, sa seule défense. Pourquoi Natos? Pourquoi? Je sais pas, je trouve que c'est super chiant de se faire pisser dans le lit. Non mais pourquoi pour... enfin... Bah en fait c'est tellement un truc de crassoux et de fils de pute, je pense ça en viendrait même aux mains, wesh. C'est à moi. Non mais au calme, je te l'ai laissé. Ouais, je sais, merci. Loli, ils ont flash ou pas? Quoi? Je sais pas. Quoi? Mais qu'est-ce qui m'a tué? T'es mort mais de quoi? Wesh. Mort de quoi? T'as encore mon cuspel et tout? Mais si j'avais... Enfin j'aurais pu cuspel mais je me suis dit... Quel dégât va me toucher? J'ai un R qui arrive là. Non. Ouais, en place sur lui, je crois. Pas de creep. Oh, j'ai eu elle. Ouais, The Bee, on l'entend. Hein. Ce gosse, chaque matin, il me réveille. Chaque matin, il me réveille, frère. Chaque matin, il me réveille, frère. C'est trop, frère. Chaque matin, il me réveille, frère. C'est trop, j'ai envie de pleurer, frère. La vie de ma mère, vous voyez, je suis obligé d'aller. Moi, mon lit, il est là. La fenêtre, elle est là. Wallah, chaque matin, je suis obligé d'aller dans la chambre de ma mère pour dormir. Wallah. Il gueule, il jette des jouets dans mon balcon, frère. Le corps, c'est trop, frère. Ok, Fake, tu comptes jouer Lee Sin? Je vais jouer Jarvan. Non. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est du bien, c'est. Frère, je te dis Jarvan, tu mets instant lock Lee Sin, frère. Oui, parce que j'allais jouer Lee Sin top. T'es sérieux, Fake? Hluff? Ah, Hluff? Voilà, j'allais jouer Lee Sin top. Tu vois, Thomas, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit pourquoi on touchera jamais le platine? Répète-moi ce que je t'ai dit, s'il te plaît. Répète-moi. Non, mais ouais. Demande-moi au moins avant, frère. T'as jamais touché. Voilà, il a joué devant moi. Regarde, je l'ai dans mon historique. Dans mon historique, regarde, j'ai une game avec Lee Sin top. Là, Lee Sin top 13-5. Et l'autre fils de pute qui lui suce la bite. Regarde, Fake, tu dois dire pardon. Tu dois ça dire pardon. Zal dans tu la dois con. Dire pardon, bah j'ai été impulsif. Bah non. Si tu dis pas pardon, je relance pas mon jeu. Vas-y. Tu dois dire pardon, j'ai fait. Non, arrêtez. Vas-y, dis-le. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, mais juste Fake, la prochaine fois, demande-moi parce que voilà. Frérot. Moi. Non, arrête, t'es de mauvaise foi, t'as fait de la merde. Dis pardon, c'est de la merde. C'est bon, fermez-la. Donc je t'explique toi. Moi, tu vois, d'habitude, tu me dis quoi? Tu me dis, bah vas-y, ok, et tu lock quand même le truc que toi tu veux. Tu jamais fait ça. Je me dis, frère, ce mec il a jamais joué Lee Sin avec moi, et tu peux pas dire le contraire. Oui, ok, là je suis d'accord, mais okay, voilà. Demande-moi avant de dodge. You ready? Waouh! Vous avez vu comment il se tient? Ça, frère, c'est trop. Et là il tombe en arrière. Ah, reste pas, fais pas ça, sa mère. On va parler français. T'as vu la plupart des mecs, des meufs et des mecs qui l'interviewent, c'est des africaines, soit des rebeux, soit des renois. Ouais, je vois darons, ils sont venus en Europe, frère. Ils sont là, ils ont travaillé, ils veulent que leur fille ait réussi dans la vie, dans l'école. Vous allez répondre à des questions de trou du cul comme ça, frère. Wallah. Frère, vous donnez vos fesses, frère. Après, nous, on passe pour des hamars. Wallah, frère. Vous faites des honneurs et vous foutez la honte à vos familles. Idéa, danse, fais pas la timide, biatch. Jamais je dépense pour une salope, danse, fais pas la timide, biatch. Je trouve ça aberrant, ils rêvent de nous voir derrière le grillage. Ratala, je passe pas les kilos, je vais beaucoup trop vite et dans les embouteillages. Beaucoup trop vite au feu rouge, je m'arrête pas, j'aime faire crier le poli.